Arrivé au Tchad en qualité de nouveau représentant résident de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Wilfried Gimbi est reçu en audience par le ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale. Avec Dr. Issa Doubraïn, les échanges avec le patron de la BDAC ont porté sur le portefeuille de prêts qui s'élève à 122 milliards de francs CFA. Nous avons fait le point sur les points prioritaires et les points en suspens. Et j'ai profité de l'occasion aussi pour informer le ministre de l'adhésion de la banque d'élaborer un document de stratégie d'intervention pays qui sera un guide pour la B2AC, qui définira nos interventions au Tchad et qui déclinera la stratégie opérationnelle de la banque en République du Tchad. Le Tchad fait face à une crise financière en cette période de transition. Cette crise ne laisse pas indifférents les partenaires au développement, en l'occurrence la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Les défis sont importants, mais la B2AC, c'est la banque des États, c'est la banque des Tchadiens aussi. Donc nous sommes là pour jouer notre partition et pour apporter un tant soit peu notre pierre à l'édifice du développement du Tchad. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale réitère sa disponibilité à accompagner le Tchad en cette période de transition et les futurs projets de développement.